tout ça n'avait été qu'un rêve? God bless you, Florida. Thank you. Ces quatre dernières années avaient-elles réellement existé? Regardez, c'est Ben Affleck. Je le vois souvent dans mes rêves. Et le type de taxi driver, il était là lui aussi. Et le petit Stevie Wonder, il avait l'air tellement content. Comme si un miracle s'était produit. Était-ce un rêve? Ou était-ce la réalité? C'était la soirée électorale de l'an 2000 et tout semblait se dérouler comme prévu. In New York, Al Gore is our projected winner. The Garden State is green for Gore. We project that Mr. Gore is the winner in Delaware. This state has voted with the winner in Delaware. Excuse me one second, I'm so sorry to interrupt you. Mike, you know I wouldn't do this if it weren't big. Florida goes for Al Gore. CNN announces that we called Florida in the Al Gore column. Et puis cette chose qu'on appelle Fox News Channel décida que le gagnant des élections, c'était l'autre gars. I interrupt you. Fox News now projects George W. Bush, the winner in Florida, and thus it appears the winner of the presidency of the United States. Et subitement, toutes les autres chaînes se sont dit, hey, si Fox News le dit, c'est forcément vrai. All of us at the networks made a mistake and projected Florida in the Al Gore column. It was our mistake. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le grand patron de la rédaction de la Fox ce soir-là, celui qui a donné Bush gagnant, n'était autre que le cousin germain de Bush, John Ellis. Comment est-ce qu'un type comme Bush a pu réussir un coup pareil? Primo, ça peut aider d'avoir un frère gouverneur de l'État en question. You know something? We are going to win Florida. Mark my words. You can write it down. Secondo, c'est pas mal non plus d'avoir comme directrice de campagne la personne qui supervise le dépouillement du scrutin en Floride. Surtout si elle a le pouvoir de faire appel à une société pour radier des listes les électeurs susceptibles de ne pas voter pour vous. En général, c'est à la couleur de leur peau qu'on les reconnaît. Mais vos partisans devront vous soutenir comme si leur vie en dépendait. I think all this talk about legitimacy is way overblown. Pour finir, vous n'aurez plus qu'à espérer que vos adversaires restent assis les bras croisés. Et même si d'innombrables enquêtes indépendantes prouvent que Gore a obtenu la majorité des voix, ça n'a aucune importance du moment que tous les amis de papa à la Cour suprême votent du bon côté. While I strongly disagree with the court's decision, I accept it. What we need now is acceptance. We have a new president-elect. En fin de compte, rien de tout ça n'était un rêve. C'est réellement ce qui s'est passé. Le jour où, dans une assemblée commune, la Chambre des représentants et le Sénat ont ratifié le résultat des élections, Al Gore, à la fois vice-président sortant et président du Sénat, a dirigé la séance. Séance au cours de laquelle George W. Bush fut officiellement intronisé président. Si un député membre du Congrès avait eu l'intention d'émettre une objection, le règlement prévoyait qu'il lui fallait d'abord obtenir le soutien et la signature d'un seul sénateur. Mr. President, and I take great pride in calling you that. I must object because of the overwhelming evidence of official misconduct, deliberate fraud, and an attempt to suppress voter turnout. The chair must remind members that under Section 18 of Title 3, United States Code, no debate is allowed in the joint session. Thank you, Mr. President. To answer your question, Mr. President, the objection is in writing, signed by a number of members of the House of Representatives, but not by a member of the Senate. Mr. President, it is in writing and signed by several House colleagues on behalf and myself of the 27,000 voters of Duval County, in which 16,000 of them are African Americans that was disenfranchised in this last election. Is the objection signed by a member of the Senate? Not signed by a member of the Senate. The Senate is missing. Mr. President, it is in writing and signed by myself on behalf of many of the diverse constituents in our country, especially those in the 9th Congressional District, and all American voters who recognize that the Supreme Court, not the people of the United States, decided this election. Is the objection signed by a senator? Unfortunately, Mr. President, it is not signed by one single senator. Unfortunately, I have no authority over the United States Senate, and no senator has signed. Mr. President, it is in writing and signed by myself and several of my constituents from Florida. A senator is needed, but missing. Is the objection in writing and signed by a member of the House and a senator? The objection is in writing, and I don't care that it is not signed by a member of the Senate.
The chair will advise that the rules do care, and the signature of the senator. Pas un seul sénateur ne vola au secours des députés afro-américains. L'un après l'autre, on les pria de regagner leur place et de se taire. And it's a sad day in America, Mr. President, when we can't find a senator to sign the gentleman, objections. Gentlemen will suspend. Won't sign objections, Mr. President. Gentlemen will. The gentleman will suspend. Inauguration coverage, 2001, on a nasty, but it could be worse kind of day in Washington. Le jour de l'investiture de George W. Bush, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Washington pour tenter une dernière fois de reprendre ce qu'on leur avait volé. Ils jetèrent des œufs sur la limousine de Bush et ils parvinrent à immobiliser le cortège. Dans l'impossibilité de sortir de sa belle limousine, Bush fut privé de la traditionnelle marche jusqu'à la Maison-Blanche. Le chauffeur appuya sur le champignon afin d'éviter que la manifestation dégénère. Aucun président n'avait jamais vécu un jour d'investiture comme celui-ci. Et au cours des 8 mois qui suivirent, les choses ne s'arrangèrent pas pour George W. Bush. Il ne parvenait pas à nommer ses juges. Il avait du mal à faire passer ses lois. Et le Parti républicain perdit la majorité au Sénat. Sa cote de popularité commençait à chuter. Il ressemblait à un président qui assurait l'intérim en attendant l'entrée en fonction de son successeur. Et puisque tout allait de travers, il fit ce que n'importe lequel d'entre nous aurait fait à sa place. Il partit en vacances. Durant les 8 mois qui ont précédé le 11 septembre, George W. Bush, si l'on en croit le Washington Post, demeura en vacances 42% de son temps. Pas étonnant que M. Bush ait eu besoin d'un peu de repos. Être président, c'est beaucoup de boulot. They don't understand the definition of work. I'm getting a lot done. Secondly, you don't have to be in Washington to work. It's amazing what can happen with telephones and faxes. Thank you so much. And just a destiny of hope. Yeah. What are you doing the rest of the day? Karen Hughes is coming over. We're working on some things. And she'll be over here. We're working on a few things. I'm working on some initiatives. You'll see. I mean, there'll be some decisions that I will have made while I'm here, and we'll be announcing them as time goes on. La toute première fois où je l'ai rencontré, il m'a donné un excellent conseil. Governor Bush, it's Michael Moore. Behave yourself, will you? Go find real work. Et pour ce qui était du travail, il en connaissait un rayon. Anybody want some grits? Se détendre à Camp David, faire du bateau à Kennebunkport, how you doing? Ou jouer au cow-boy dans son ranch au Texas. I love the nature. I love to get in the pickup truck with my dogs. Oh, hi. George W. Bush passa le reste du mois d'août dans son ranch, où la vie était beaucoup moins compliquée. Mr. Armadale loved to dig the soil looking for bugs. And I went out there the other day, and there was Barney buried in his hole, chasing an armadillo. Ce fut un été inoubliable. La saison terminée, il quitta le Texas pour se rendre dans son deuxième endroit favori. Le 10 septembre, il rejoignit son frère en Floride, où ils examinèrent des dossiers et rencontrèrent des gens importants. Ce soir-là, il alla se coucher dans un lit bordé de drap fin, de fabrication française. I suppose he's pretty confident on those numbers on Iraqi security forces.
Make me look young. Yeah, I got a little sort of air noise. Yeah, just don't turn it up too much so I don't want to blow my head off. I got a mic here if they want to hear. Testing 1, 2. This is the Oval Office. We're testing 1, 2. Testing 1, 2. This is the Oval Office. Testing 1, 2, 3, 4, 5. Le 11 septembre 2001, près de 3000 personnes, parmi lesquelles un de mes collègues, Bill Wims, trouvèrent la mort dans l'attentat le plus grave jamais commis sur le sol américain par des étrangers. Ils avaient pris pour cible les centres névralgiques de la finance et de l'armée des États-Unis. If anyone has any idea if they've seen him or knows where he is, to call us. He's got two little babies. Au moment des attentats, M. Bush s'apprêtait à rendre visite aux élèves d'une école primaire de Floride. Quand on l'informa qu'un avion avait percuté l'une des deux tours du World Trade Center, où un attentat terroriste avait déjà eu lieu 8 ans auparavant, M. Bush prit la décision de poursuivre sa séance de photos. Read this word the fast way. You ready? Mad. Yes, mad. You ready? Yeah. Yeah.
Quand un avion percuta l'autre tour, le secrétaire général entra dans la salle de classe et dit à M. Bush « La nation est attaquée ». Ne sachant pas quoi faire, n'ayant personne pour lui dire ce qu'il fallait faire, et les services secrets ne se précipitant pas sur lui pour le conduire en lieu sûr, M. Bush resta là, assis, et poursuivit la lecture de « Mabiquette » avec les enfants. Près de 7 minutes s'écoulèrent sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Alors qu'il était assis dans cette salle de classe en Floride, Bush s'est-il dit qu'il aurait peut-être dû venir au bureau plus souvent? Qu'il aurait peut-être dû organiser ne serait-ce qu'une réunion depuis qu'il était en exercice pour évoquer la menace terroriste avec son chef du contre-terrorisme? À moins qu'il ne se soit demandé pourquoi il avait réduit le budget du FBI pour la lutte contre le terrorisme. Ou alors qu'il aurait peut-être dû lire le rapport de sécurité, celui qu'on lui avait remis le 6 août 2001, qui stipulait qu'Oussama Ben Laden préparait un attentat contre l'Amérique en projetant de détourner des avions. Mais la menace ne l'avait peut-être pas inquiété parce que l'intitulé du rapport était trop vague. I believe the title was Bin Laden determined to attack inside the United States. Un rapport comme celui-là en aurait fait bondir plus d'un. Mais comme à son habitude, George W. se contenta d'aller à la pêche. Les minutes s'écoulaient et George Bush resta assis dans la salle de classe. Peut-être qu'il se disait « J'ai mal choisi ma bande de copains ». Lequel d'entre eux m'a fait un enfant dans le dos? Celui à qui papa a livré plein d'armes? Ou bien ce groupe d'intégristes religieux qui est venu en visite au Texas quand j'étais gouverneur? À moins que ce soit les Saoudiens? Mais oui, bon sang, c'est eux. Mais je crois qu'il vaut mieux que j'accuse ce type-là. Dans les jours qui suivirent le 11 septembre, l'ensemble du trafic aérien sur le territoire fut interrompu. The FAA has taken the action to close all of the airports in the United States. Even grounding the president's father, former President Bush, on a flight forced to land in Milwaukee. Thousands of travelers were stranded, among them Ricky Martin, due to appear at tonight's Latin Grammy Awards. Même Ricky Martin était cloué au sol. Mais honnêtement, qui avait envie de prendre l'avion? Personne. Excepté les Ben Laden. Le gouvernement a autorisé certains vols permettant à des membres de la famille Ben Laden ainsi qu'à d'autres Saoudiens à quitter le territoire des États-Unis. Il s'avéra que la Maison-Blanche avait autorisé des avions à transporter les Ben Laden et de nombreux autres Saoudiens. Pas moins de 6 jets privés et d'une vingtaine de vols commerciaux transportèrent les Saoudiens et les Ben Laden loin des États-Unis après le 13 septembre. En tout, 142 Saoudiens, parmi lesquels 24 membres de la famille Ben Laden furent autorisés à quitter le pays. Oussama a toujours été décrit comme la brebis galeuse de la famille. Elle aurait coupé les ponts avec lui depuis 1994. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il aurait gardé des contacts avec certains membres de sa famille. Au cours de l'été 2001, juste avant le 11 septembre, un des fils d'Oussama s'est marié en Afghanistan et des membres de la famille ont assisté au mariage. Des Ben Laden? Absolument. Alors dire que les liens étaient totalement rompus, c'est exagéré. We now welcome to Larry King live. Good to see him again. Prince Bandar, the ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States. We had about 24 members of Bin Laden's family. And in America, students and His Majesty felt it's not fair for those innocent people to be subjected to any harm. On the other hand, we understood had a high emotion. So with coordination with the FBI, we got them all out. Voici Jack Clunan, agent du FBI à la retraite. Avant le 11 septembre, il était chef de la force spéciale du FBI et de la CIA chargée de surveiller les activités d'Al-Qaïda. Si on m'avait chargé de l'enquête, je n'aurais pas voulu que ces gens partent. Je pense que dans le cas de la famille Ben Laden, il aurait été plus prudent de les convoquer et d'enregistrer leur déposition.
C'est la procédure. Mais oui, c'est la procédure. Combien a-t-on arrêté de passagers à leur descente d'avion quand ils se sont présentés au service d'immigration? Et pourquoi? Et parce qu'ils arrivaient du Moyen-Orient, tout simplement. On en a arrêté des centaines pendant des semaines et des mois. Mais les autorités ont-elles tenté de retenir les Ben Laden? Non, on a vérifié leur passeport, leur identité à l'aéroport, on a contrôlé leur passeport, on les a identifiés. Oui, comme n'importe quelle personne qui quitte Exactement. Le pays. Donc on vise leur passeport et puis... Rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'habitude, quand la police recherche un criminel, ne va-t-elle pas d'abord interroger des membres de sa famille pour savoir où il pourrait bien être? You have no idea where your husband might be. Well, if you should hear anything, let us know, will you? You willing to come downtown and give us a statement? This gonna take long. You got the time. Mine's worth money, yours isn't. Send in a bill. I asked you a question. You're here to answer them, not ask them. Now you listen to me, cop. I pay your salary. All right, sit down. I'm gonna earn it. Voilà, ça c'est un flic qui fait son boulot. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Il faut en savoir davantage sur ce qui s'est passé. Ça devrait faire l'objet d'une enquête approfondie. Que s'est-il passé? Comment? Pourquoi? Et qui l'a autorisé? Essayez d'imaginer à quoi pensaient tous ces malheureux. Vous savez, au moment où ils ont sauté dans le vide en sachant qu'ils allaient s'écraser au sol. Tous ces jeunes gens, policiers, pompiers, qui sont montés dans ces tours sans se poser la moindre question. Ils sont tous morts. Leurs familles ont eu leur vie brisée. Elles ne trouveront jamais la paix. Jamais. Alors, si je devais importuner un membre de la famille Ben Laden en le convoquant devant la justice, vous croyez que ça m'empêcherait de dormir? Oh non, pas une seconde, Mike. Personne n'y verrait d'objection. Non, parce que c'est juste. Pas même le plus fervent défenseur des libertés. Non. Je dirais, vous avez un avocat? Parfait. Monsieur Ben Laden, je ne vous accuse de rien du tout. Je vous pose simplement des questions, comme je le ferais avec n'importe qui. Je vous pose les mêmes questions. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Tout cela n'avait aucun sens. Imaginez que quelques jours après l'attentat d'Oklahoma City, le président Clinton ait aidé les parents de McVeigh à quitter le pays. À votre avis, qu'est-ce qu'on lui aurait fait à Clinton si la nation l'avait su? Prince Bandar, do you know the Ben Laden family? I do very well. What are they like? They're really lovely human beings. He is the only one I don't know him. Well, I met him only once. What was the circumstance under which you met him? This is ironic. In mid-80s, if you remember, we in the United States were supporting the Mujahideen to liberate Afghanistan from the Soviets. He came to thank me for my efforts to bring the Americans, our friends, to help us against the atheist, he said, the communist. Isn't it ironic? In other words, he came to thank you for helping bring America to help him. And now he may be responsible for bombing America. Absolutely. What did you make of him when you met him? I was not impressed, to be honest with you. Not impressed? No, he was... I thought he was simple and very quiet guy. Un type simple et discret. Dont il se trouve que la famille a des relations d'affaires avec la famille de George W. Bush. C'est à ça qu'il pensait? Parce que si les gens venaient à l'apprendre, ça ne ferait pas bon effet. Est-ce qu'il se disait « Je crois que je devrais arracher quelques pages de mon carnet d'adresses. » Au début de l'année 2004, lors d'un discours dans le New Hampshire, j'ai affirmé que George W. Bush était un déserteur, qu'il avait déserté la garde nationale aérienne du Texas. La réaction de la Maison-Blanche fut de publier son dossier militaire, dans l'espoir de réfuter l'accusation. Ce que Bush ignorait, c'est que j'avais déjà en ma possession une copie de ce même dossier, non censuré, que j'avais réussi à me procurer au cours de l'année 2000. Il y avait une différence pour le moins flagrante entre le dossier établi en 2000 et celui publié en 2004. Un nom avait été censuré. En 1972, deux pilotes avaient été mis à pied parce qu'ils n'avaient pas passé la visite médicale. L'un d'eux s'appelait George W. Bush. Et l'autre s'appelait James R. Batt. En 2000, les deux noms figuraient dans le dossier. Alors qu'en 2004, Bush et la Maison-Blanche avaient censuré le nom de Batt. Pourquoi Bush ne voulait-il pas que la presse et les lecteurs voient le nom de Batt apparaître dans le dossier? Peut-être a-t-il eu peur que les Américains n'apprennent qu'à une certaine époque, James R. Batt avait géré la fortune des Ben Laden au Texas.
Bush et Bat étaient devenus amis au moment de leur service dans la garde aérienne du Texas. Après leur libération, quand le père de Bush était patron de la CIA, Bat ouvrit sa propre compagnie d'aviation, après avoir vendu un avion à un certain Salem Ben Laden, héritier de la deuxième fortune d'Arabie Saoudite, le Saudi Bin Laden Group. À l'époque, le fils Bush faisait ses premiers pas dans le monde des affaires. Et parce qu'il fait tout comme son père, il prit la décision de se lancer dans le pétrole. Il a alors fondé Arbusto, une compagnie de forage dans l'ouest du Texas qui excellait dans le forage de puits qui ne donnait pas une seule goutte de pétrole. Mais la vraie question reste la suivante. D'où venait tout cet argent? Son père était riche, il aurait pu faire ça pour lui, mais il ne l'a pas fait. Rien ne permet de dire que papa lui a fait un gros chèque pour démarrer cette société. Mais alors, où George Bush a-t-il trouvé cet argent? I'm George Bush. L'homme qui l'a financé n'était autre que James R. Batt. L'ami intime de Bush, James Batt, avait été engagé par la famille Ben Laden pour gérer leur fortune et investir pour eux dans des affaires au Texas. Et James Batt, à son tour, misa sur George W. Bush. Bush réussit à couler Arbusto, comme il l'avait fait avec chacune de ses autres sociétés, jusqu'au jour où l'une de ses sociétés fut rachetée par Arken Energy, qui le fit entrer au conseil d'administration. Depuis des années, bon nombre d'entre nous soupçonnons que toutes ces sociétés, Arken, Spectrum 7, Arbusto, toutes les sociétés de Bush, ont été financées par les pétrodollars saoudiens. Dès qu'elles commençaient à battre de l'aile, des investisseurs injectaient de l'argent dans ces sociétés. Alors on se demande pourquoi les Saoudiens, qui avaient du pétrole à revendre, allaient à l'autre bout du monde pour investir dans une société moribonde. Peut-être parce que Arken présentait l'intérêt d'avoir George W. Bush pour membre du conseil d'administration à l'époque où son père était président des États-Unis. When you're the president's son and you've got unlimited access combined with some credentials from a prior campaign in Washington D.C., people tend to respect that. I mean, access is power, and I can find my dad and talk to him any time of the day. Oui, ça aide d'être le fils du président. Surtout si la SEC, l'autorité des marchés, enquête sur vous. In 1990, when Mr. Bush was a director of Harkin Energy, he received this memo from company lawyers, warning directors not to sell stock if they had unfavorable information about the company. One week later, he sold $848,000 worth of Harkin stock. 2 months later, Harkin announced losses of more than $23 million. L'avocat qui l'a aidé à échapper aux poursuites de la SEC était un associé de James Baker. Il s'appelait Robert Jordan. Quand George W. devint président, il fut nommé ambassadeur en Arabie Saoudite. Après la débâcle de Arken, les amis de Papa Bush le casèrent dans un autre conseil d'administration au sein d'une société appartenant au groupe Carlyle. On s'est intéressé aux sociétés qui ont tiré profit du 11 septembre. Parmi elles, il y avait le groupe Carlyle, une multinationale qui investit dans les secteurs industriels hautement contrôlés par l'État, tels que les télécommunications, la santé et notamment la défense. Bush, père et fils, ont tous les deux travaillé pour le groupe Carlyle, la même société qui comptait la famille Ben Laden au nombre de ses investisseurs. Le groupe Carlyle tenait son assemblée annuelle des actionnaires le 11 septembre à l'hôtel Ritz-Carlton de Washington. Étaient présents à cette réunion les piliers de Carlyle, James Baker, probablement John Major, et bien évidemment Bush père, bien qu'il soit parti à l'aube du 11 septembre. Shafiq Ben Laden, le demi-frère d'Oussama, était venu veiller aux intérêts de sa famille au sein du groupe Carlyle. Ils étaient tous réunis dans une pièce quand ils ont vu les avions percuter les tours. En fait, la famille Ben Laden avait investi dans des sociétés d'armement de Carlyle, ce qui signifiait ironiquement que plus les dépenses militaires des États-Unis augmentaient, plus les Ben Laden étaient susceptibles de tirer profit de leurs investissements au sein de Carlyle. Our commander-in-chief, President George W. Bush. Avec toutes les sociétés d'armement qu'il possédait, le groupe Carlyle était devenu le 11e fournisseur de l'armée américaine. Il possédait United Defense, fabricant des véhicules blindés Bradley. Les attentats du 11 septembre assurèrent à United Defense
une année tout à fait prospère. 6 semaines après le 11 septembre, le groupe Carlyle met en vente des actions de United Defense et en décembre fit en un seul jour 237 millions de dollars de bénéfices. Hélas, on parlait tellement de la participation des Ben Laden aux investissements de Carlyle qu'ils furent contraints de se retirer. Néanmoins, Bush père resta au sein de Carlyle pendant encore 2 ans, à titre de conseiller pour l'Asie. Aussi indécent que ça puisse paraître, il faut savoir que Bush père rencontrait la famille Ben Laden alors qu'Osama était déjà recherché pour terrorisme bien avant le 11 septembre. Ce n'est pas très agréable pour les Américains d'apprendre ça. Il est évident que le père de George Bush a une très grande influence à la Maison-Blanche. Il reçoit les rapports quotidiens de la CIA, auxquels a droit tout ancien président. Cependant, très peu d'entre eux font valoir ce droit, mais lui, il en profite. Je pense que d'une manière très concrète, tous profitent de l'ambiguïté qui surgit quand le père de Bush se rend en Arabie Saoudite, pour le groupe Carlyle, et qu'il rencontre la famille royale et la famille Ben Laden. Est-ce qu'il représente les États-Unis d'Amérique, ou est-ce qu'il représente une société d'investissement américaine, ou est-ce qu'il représente les deux? Cette société, c'est d'abord de l'argent. Il ne s'agit pas de conspiration pour diriger le monde, ni de manipulation politique d'aucune sorte. Il s'agit de gagner beaucoup d'argent, et ils s'en sortent très bien. In the White House view, there's no ethical conflict in former President Bush and former Secretary of State Jim Baker using their contacts with world leaders to represent one of the most well-known military arms dealers, the Carlyle Group. The President has full faith that his family will conform with all proper ethics laws, all ethics laws, and will act properly in their conduct. Alors disons qu'un groupe de gens, le peuple américain par exemple, vous paye 400 000 dollars par an pour être président des États-Unis. Et qu'un autre groupe de gens investit sur vous, vos amis et leur société, la somme de 1 milliard 400 millions de dollars sur plusieurs années. Qui préférez-vous? Qui est votre papa? Parce que c'est ce que la famille royale saoudienne et ses associés ont versé à la famille Bush, à leurs amis et à leur société ces 3 dernières décennies. Serait-il déplacé d'insinuer qu'en se levant le matin, les Bush pensent d'abord aux intérêts des Saoudiens avant de penser aux vôtres ou aux miens? Parce que si avec 1,4 milliard, on peut s'acheter pas mal de billets d'avion pour quitter le pays, on s'achète aussi beaucoup d'amour. Tôt ou tard, cette relation privilégiée avec un régime condamné par Amnesty International, pour violation des droits de l'homme à grande échelle, allait revenir pour hanter les Bush. Après le 11 septembre, elle était devenue gênante, et les Bush auraient préféré qu'on ne pose aucune question. L'enquête aurait dû commencer le 12 septembre. Rien ne s'y opposait. Après le meurtre de 3000 personnes, il aurait fallu agir immédiatement. Pour commencer, Bush essaya d'empêcher le Congrès d'ouvrir sa propre enquête. Sa tentative ayant échoué, il voulut alors interdire la création d'une commission indépendante. The president's position was a break from history. Independent investigations were launched within days of Pearl Harbor and President Kennedy's assassination. Mais lorsque le Congrès remit les conclusions de son enquête, l'administration Bush censura 28 pages du rapport. The president is being pressed by all sides to declassify the report.
U.S. officials tell NBC News most of the secret sources involve Saudi Arabia. We have given extraordinary cooperation with Chairman Keane and Hamilton. We haven't gotten the materials we needed, and we certainly haven't gotten them in a timely fashion. The deadlines we set have passed. Will you testify before the commission? This commission? You know, I don't testify. I mean, I'd be glad to visit with them. What it will do is hold this in my heart. Pour moi, mon cœur est déchiré depuis le 11 septembre. J'ai perdu mon mari, 15 ans de mariage. Je me retrouve toute seule. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Je sais bien ce qu'on m'a dit après l'autopsie. Il était toute ma vie. Je n'ai plus aucun projet. Quand on me demande qu'est-ce que vous allez faire les 5 prochaines années, je dis que si je ne vais pas au bout des choses, je n'aurai plus aucune raison de vivre. Alors pour moi, c'est très important. Ignoré par l'administration Bush, plus de 500 parents de victimes du 11 septembre engagèrent des poursuites contre des princes saoudiens, entre autres. Quels furent les avocats choisis par le ministre saoudien de la Défense? Le cabinet d'avocats de la famille Bush. James Baker. Autour de nous se trouvent les trois hauts lieux de l'histoire de l'Amérique. L'hôtel Watergate et ses bureaux, le Kennedy Center là-bas, et l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ils ont investi combien les Saoudiens aux États-Unis, grosso modo? On parle de 860 milliards de dollars. 860 milliards? Milliards, oui. Ça fait beaucoup d'argent. Et ça représente quel pourcentage de notre économie? En termes d'investissement en bourse à Wall Street, ça fait environ 6 ou 7% de l'Amérique. Une belle petite tranche d'Amérique. Et la plupart de cet argent est investi dans des grandes sociétés stables, Citigroup, Citibank, où les Saoudiens sont majoritaires. Ils sont aussi très présents dans AOL Time Warner. J'ai lu que les Saoudiens avaient 1 000 milliards de dollars placés ici, dans nos banques. Alors que se passerait-il si un jour ils reprenaient ce millier de milliards de dollars? Ça porterait un coup terrible à notre économie. Ouais. Monsieur Moore, je peux vous parler? Bien sûr. Je vais bien, et vous? Michael Moore. Steve Kimball, des services. Enchanté, monsieur. Oui. Nous faisons quelques vérifications. Ah, très bien. Vous tournez un film, oui, c'est ça, monsieur? Sur l'ambassade d'Arabie Saoudite? Non, je tourne un documentaire où il est en partie question de l'Arabie Saoudite. On était pourtant loin de la Maison Blanche, mais pour je ne sais quelle raison, les services secrets ont pointé leur nez. Ils voulaient savoir ce qu'on faisait en face de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Nous ne sommes pas ici pour faire des histoires. D'accord. Parfait, on voulait simplement se renseigner, savoir ce que vous faisiez ici. Ce qu'on fait ici? Oui, oui, j'ignorais que les services secrets surveillaient les ambassades. D'habitude, non, monsieur. Les Saoudiens vous donnent du fil à retordre? Je ne répondrai pas, monsieur. Ah, très bien, alors, je prends ça pour un oui. Merci. Il s'avère que le prince Bandar est l'ambassadeur le mieux protégé des États-Unis. Le département d'État américain a mis 6 hommes à sa disposition pour assurer sa sécurité. Quand on sait que lui et sa famille et l'élite saoudienne détiennent 7% de l'Amérique, ce n'est sans doute pas une mauvaise idée. Le prince Bandar était si proche des Bush qu'on considérait qu'il faisait partie de la famille. On l'avait même surnommé Bandar Bush. 2 jours après le 11 septembre, George Bush invita Bandar Bush à la Maison Blanche. Pour un dîner privé et une conversation entre amis. En dépit du fait que Ben Laden était saoudien, que l'argent saoudien avait financé Al-Qaïda et que 15 des 19 pirates de l'air étaient saoudiens, l'ambassadeur saoudien dînait amicalement avec le président le 13 septembre, comme si de rien n'était. De quoi parlait-il? Est-ce qu'il se lamentait? Ou est-ce qu'il se mettait d'accord? Pourquoi les Saoudiens empêcheraient-ils ensuite les enquêteurs d'interroger les familles des terroristes? Pourquoi les Saoudiens renacleraient-ils à geler les actifs des terroristes? Bush et Bandar Bush allèrent prendre le frais sur le balcon pour que Bandar puisse fumer un cigare et boire un verre. Au loin, de l'autre côté du Potomac, on voyait le Pentagone partiellement détruit. Je me demande si M. Bush a dit au prince Bandar de ne pas s'en faire, parce qu'il avait déjà tout prévu.
You come in September 12th, ready to plot what response we take to Al-Qaeda. Let me talk to about the response that you got from top administration officials. On that day, what did the president say to you? The president, in a very intimidating way, left us, me and my staff, with the clear indication that he wanted us to come back with the word that there was an Iraqi hand behind 9/11, because they had been planning to do something about Iraq from before the time they came into office. Did he ask about any other nations other than Iraq? No, not at all. It was Iraq, Saddam, find out, get back to me. And were his questions more about Iraq than about Al-Qaeda? Absolutely. Absolutely. He didn't ask me about Al-Qaeda. And the reaction you got that day from the Defense Secretary, Donald Rumsfeld, from his assistant, Paul Wolfowitz? Well, Donald Rumsfeld said, when we talked about bombing the Al-Qaeda infrastructure in Afghanistan, he said there were no good targets in Afghanistan. Let's bomb Iraq. And we said, but Iraq had nothing to do with this. And that didn't seem to make much difference. And the reason they had to do Afghanistan first was it was obvious that Al-Qaeda had attacked us, and it was obvious that Al-Qaeda was in Afghanistan. The American people wouldn't have stood by if we had done nothing on Afghanistan. Les États-Unis ont commencé à bombarder l'Afghanistan 4 semaines tout juste après le 11 septembre. Monsieur Bush justifia cet acte de guerre en disant que le gouvernement taliban avait donné asile à Ben Laden. Smoke them out of their holes. We're gonna smoke them out. Smoke them out. We'll smoke him out of his cave. Let's rush him and smoke him out. À part jouer les cowboys, Bush ne fit pas grand chose. But what they did was slow and small. They put only 11,000 troops into Afghanistan. There are more police here in Manhattan, than there are U.S. troops in Afghanistan. Basically, the president botched the response to 9/11. He should have gone right after Bin Laden. U.S. Special Forces didn't get into the area where Bin Laden was for 2 months. 2 mois? Un criminel attaque les États-Unis et on lui accorde 2 mois de répit? Quel homme sain d'esprit ferait ça? Anybody say nice shot? Nice shot. Hell of a shot. Ou la guerre en Afghanistan cachait-elle autre chose? La réponse se trouvait peut-être à Houston, au Texas. En 1997, alors que George W. Bush était gouverneur du Texas, une délégation de chefs talibans venus d'Afghanistan rencontra à Houston des dirigeants de UNOCAL pour discuter de la construction d'un pipeline qui traverserait l'Afghanistan et qui acheminerait du gaz naturel depuis la mer Caspienne. Et qui a obtenu un contrat de forage en mer Caspienne le jour où UNOCAL a signé la construction du pipeline? Une société dirigée par un certain Dick Cheney, Halliburton. Du point de vue du gouvernement américain, ce gazoduc était une aubaine, parce que tout le monde y trouverait son compte. Qui d'autre serait susceptible d'en profiter? Le plus gros donateur de la campagne de Bush, Kenneth Lay, et les braves gens de la société Enron. Seule la presse britannique parla du séjour au Texas des talibans. En 2001, 5 mois et demi avant le 11 septembre, l'administration Bush accueillit un émissaire taliban, envoyé aux États-Unis pour améliorer l'image de son gouvernement. You have imprisoned the women. It's a horror, let me tell you. And I'm really sorry to your husband. He might have a very difficult time with you. Sur ces images, notre taliban se rend à notre département d'État, où il est reçu par nos dirigeants. Pourquoi diable l'administration Bush autorisa-t-elle un chef taliban à venir aux États-Unis, sachant que les talibans protégeaient l'homme qui avait fait bombarder le navire USS Cole, ainsi que nos ambassades en Afrique? J'imagine que le 11 septembre mit un terme à tout ça. Quand l'invasion de l'Afghanistan fut terminée, notre gouvernement mit en place son nouveau président, Hamid Karzai. Qui était Hamid Karzai? C'était un ancien conseiller de UNOCAL. Bush nomma également un émissaire en Afghanistan, Zalmer Khalilzad, ancien conseiller de UNOCAL, lui aussi. J'imagine que vous voyez à peu près où je veux en venir. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'Afghanistan signa un accord avec les pays voisins pour la construction du pipeline qui acheminerait le gaz naturel depuis la mer Caspienne. Ah oui, et les talibans dans tout ça? La plupart se sont enfuis, comme Oussama Ben Laden et les gens d'Al-Qaïda. Terror is bigger than one person. And he's a person who's now been marginalized.
So I don't know where he is. Nor do, you know, I just don't spend that much time on him. Kelly, to be honest with you. Ça ne le préoccupe pas vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que ce président? I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. La guerre en Afghanistan une fois terminée et Ben Laden oublié, le président en guerre visait une nouvelle cible. Le peuple américain. We've got an unusual terror warning from the feds to tell you about. Fox News has obtained an FBI bulletin that warns terrorists could use pen guns, just like in James Bond, filled with poison as weapons. Good evening, everyone. America is on high alert tonight, just 4 days before Christmas. A possible terror threat as bad as or worse than 9/11. But where? How? There's nothing specific to report. Be on the lookout for model airplanes packed with explosives. And the FBI is warning ferries may be considered particularly at risk for hijacking. Could these cattle be a target for terrorists? La peur, ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Les gens qui ont peur, on leur fait faire ce qu'on veut. Et comment fait-on peur aux gens? En instaurant un climat de menace perpétuelle. On s'est bien fait manipuler. Ils ont déclenché l'alerte orange, puis l'alerte rouge et sont revenus à l'orange. Ils nous bombardent de messages contradictoires et ça, ça rend fou. The world has changed after September the 11th. It's changed because we're no longer safe. Fly and enjoy America's great destination spots. We've entered what may very well prove to be the most dangerous security environment the world's known. Take your families and enjoy life. Terrorists are doing everything they can to gain even deadlier means of striking us. Get down to Disney World in Florida. Si vous dressez un chien en lui disant de s'asseoir et de se coucher en même temps, le chien ne sait plus quoi faire. C'est comme ça qu'ils ont traité les Américains. C'était à la fois très habile et vraiment ignoble ce qu'ils ont fait. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. All right. Je crois qu'ils continueront tant que cette administration sera au pouvoir à distiller la peur occasionnellement. Au cas où les gens oublieraient, le niveau ne retombera jamais au vert ou au bleu. Il est évident que personne ne peut vivre constamment sur les nerfs comme ça. The harsh reality facing American families today is that they're not as safe as they used to be. Drug dealers and users looking for their next fix, gangs who roam the streets in search of their next victim, and the growing threat of terrorists means the need for protection is ever greater. And now, that protection is here. Zytec Engineering LLC has developed and tested a safe room, finally affordable to the average American citizen. The kind of protection formerly obtainable only by the wealthy or powerful. Heck, you can be sitting in here, drinking your finest Bordeaux and enjoying life while chaos is erupting outside. Every family in America should prepare itself for a terrorist attack. Now to escaping from a skyscraper. John Rivers is the CEO of the Executive Shoot Corporation. Good morning to you, John. Good morning, Matt. Tell me about the product you're bringing to the market. It's a emergency escape chute. It's an option of last resort. How high do you have to be in the building for that chute to actually take effect? You only have to be on the 10th floor or above. They can put this on themselves? Right. They can put this on themselves in as easy as about 30 seconds. It's real easy to put on. It's okay. Real easy to put on, but when you first get the chute, you're going to want to put it on and try it on a few times yourself. Jamie's having a little trouble putting that thing on, I want to mention. I mean, is this something that you honestly think in a moment of panic that someone can operate properly? Oh, yeah. Yeah, it is. This is actually, Jamie's probably never put this thing on before in her life, so it's okay. Don't worry about it. It's something that when you get it, you're going to want to put it on several times. Well, despite the raising of the terror alert level, residents here in Saginaw are continuing with their Christmas errands. Frances Troik and her family do some last-minute holiday shopping, knowing that Al-Qaeda is planning to attack America. She says being in Saginaw doesn't make her feel any safer than if she was in New York City. Midland is close by. And I said, Detroit's that far.
that far away. I said, they could be something of, in Flint, this could be something to be concerns for people around here. Well, you never know where they're going to hit. You never know where they're going to hit. But one potential target specifically mentioned by the terrorist has security officials baffled. It's tiny Tappahannock, Virginia, population 2016. Such an attack could generate widespread fear that even here in rural small-town America, no one is entirely safe. Au journal de 18 heures, on a parlé d'une alerte terroriste à Tappahannock. Que vous a dit le FBI? Ils m'ont contacté par téléphone. Ils voulaient en savoir plus sur le mot Tappahannock. Ils ont commencé par là. Ils avaient intercepté une conversation. C'était pas clair pour eux. Il y a un comté Rappahannock avec une rivière Rappahannock. Il y a un endroit qui s'appelle Rappahannock. Mais aux infos, ils ont confondu. Ici, c'est Tappahannock, pas Rappahannock. Vous voyez une cible pour terroristes par ici? Oui, non. Ça peut être n'importe où. On a bien un supermarché. On a un resto à spaghettis. Le supermarché, peut-être. Vous vous méfiez davantage des inconnus? Oh, comme tout le monde. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a des gens, parfois, je les regarde, et je me dis, oh mon Dieu, si c'était un terroriste. On ne sait jamais. Quand ça peut arriver. Faites jamais confiance à un inconnu. Et même les gens qu'on connaît, on ne peut pas leur faire confiance. De Tappahannock à Rappahannock, dans chaque ville et dans chaque village d'Amérique, les gens avaient peur. Et ils comptaient sur leur chef pour les protéger. Mais les protéger de quoi? Let the eagle soar like she's never soared before, from rocky coast to golden shore. Lui, c'est John Ashcroft. En 2000, il était candidat à sa réélection au poste de sénateur du Missouri, face à un candidat qui mourut avant les élections. Les électeurs avaient préféré le mort. Du coup, George W. Bush le nomma secrétaire à la justice. Il prêta serment sur une pile de Bibles, parce que quand on perd contre un mort, la prière reste l'ultime solution. L'été qui précéda, le 11 septembre, Ashcroft dit au directeur du FBI, Thomas Pickard, qu'il ne voulait plus entendre parler de menaces terroristes. Mr. Watson had come to you and said that the CIA was very concerned that there would be an attack. You said that you told the Attorney General this fact repeatedly in these meetings. Is that correct? I told him at least on two occasions. And you told the staff, according to this statement, that Mr. Ashcroft told you that he did not want to hear about this anymore. Is that correct? That is correct. Le FBI savait qu'il y avait des membres d'Al-Qaïda aux États-Unis et que Ben Laden envoyait ses propres agents prendre des cours de pilotage dans tout le pays. Mais le ministère d'Ashcroft ferma les yeux et fit la sourde oreille. Après le 11 septembre, John Ashcroft eut une idée de génie pour protéger l'Amérique. The USA Patriot Act, adopted by Congress and signed by Bush 6 weeks after the attacks, has changed the way the government does business. The USA Patriot Act allows for searches of medical and financial records, computer and telephone conversations, and even for the books you take out of the library. But most of the people we spoke to say they're willing to give up some liberties to fight terrorism. Maybe that's a good thing. It's definitely sad, but it has to be done. Oui, il fallait faire quelque chose. Ces braves gens sont membres de Peace Fresno, une association californienne pour la paix. Contrairement à nous, ils ont appris à leurs dépens ce qu'est le Patriot Act. Ils se retrouvent chaque semaine pour parler de paix. Ils se réunissent, échangent leurs expériences, mangent des cookies. Certains en reprennent. Lui, c'est Aaron Stokes, membre de Peace Fresno. Les autres l'aimaient bien. Il venait aux réunions, on manifestait ensemble. Le vendredi soir, on se postait dans un quartier fréquenté de Fresno. Il venait avec nous et distribuait des tracts. En juin, il était venu à la manifestation contre l'OMC. Et puis un jour, Aaron n'est plus venu. Mon ami Dan et moi, on lisait le journal du dimanche. Et dans les pages locales, la photo de Aaron a attiré mon attention. L'article disait qu'un shérif adjoint avait trouvé la mort
et j'ai vu que le nom n'était pas celui que je connaissais. Ça disait qu'il était membre de l'unité antiterroriste. Eh oui. L'homme qui avait sa photo dans le journal n'était pas le Aaron Stokes qu'ils avaient connu. En réalité, c'était le shérif adjoint Aaron Kilner. Il avait infiltré leur groupe. Le shérif Pierce a été très clair. Aaron Kilner avait pour mission d'infiltrer le groupe Peace Fresno. Ils ont le droit d'infiltrer les organisations ouvertes au public. On comprend que la police ait voulu espionner le groupe Peace Fresno. Regardez-les. Une joyeuse bande de terroristes. Lui, c'est Barry Regold, retraité d'une compagnie de téléphone d'Oakland, en Californie. Barry aime s'entraîner à la salle de gym. Un jour, entre deux séances de cardio training, Barry a parlé politique. On était à la salle de sport, et après l'entraînement, on s'est mis à parler du 11 septembre, de l'Afghanistan, de Ben Laden, et quelqu'un a dit « Ben Laden est une ordure, il a tué tous ces gens ». Moi, j'ai dit « Oui, c'est vrai ». Mais la pire ordure des deux, c'est Bush, qui bombarde le monde entier pour le pétrole. Barry n'avait pas à craindre d'être surveillé par la police. Ses copains haltérophiles s'étaient empressés de le dénoncer. Je faisais la sieste, il devait être 13h30 ou 14h, et on a sonné à ma porte. J'ai demandé « Qui est là ?» On a répondu « Le FBI ». J'ai dit « Le FBI ?» Oui, et c'est pourquoi. Oui, le FBI était venu voir Barry, mais pas pour prendre des cours d'aérobic. Le FBI m'a dit « Avez-vous parlé à quelqu'un du 11 septembre, de Ben Laden, du pétrole et de l'Afghanistan ?» Moi j'ai dit « Des tas de gens parlent de ça. » J'ai le sentiment que mes droits ont été bafoués. Enfin, si vous avez quelque chose à me dire à la salle de sport, dites-le-moi. Pas la peine d'appeler le FBI pour qu'il débarque chez moi pendant que je fais la sieste. Il n'y a rien de honteux. La transparence est totale. Il n'y a rien dans le Patriot Act dont j'ai à rougir de quelque manière que ce soit. J'ai un numéro vert, appelez-moi. C'est moi qu'il faut appeler. Si vous constatez une violation ou un abus, si vous avez un exemple, je veux le savoir. C'est mon boulot. Le peuple américain me paye pour ça. J'entends bien le faire. Trent Lott a dit, le jour où la loi a été présentée, on va peut-être enfin pouvoir faire ce qu'on voulait faire depuis 10 ans. Ils avaient tous ces projets, toutes ces idées dans les cartons depuis un bon moment. Et ils ont attendu le 11 septembre pour dire « c'est l'occasion, allons-y ». Le gouvernement est tout de suite parti sur l'idée qu'il était indispensable que nous renoncions à certains de nos droits. Certains aspects de cette loi posent problème. À commencer par la définition du mot terrorisme. Elle est si vaste qu'elle peut inclure des gens comme... Comme moi ? Personne ne l'a lu. C'est tout le problème. Ils déposent leur texte au milieu de la nuit, il est imprimé au milieu de la nuit, on arrive le lendemain matin et la loi est votée. Et comment le Congrès a-t-il pu voter une loi sans la lire ? Redescendez sur terre, jeune homme. Le Congrès ne lit presque jamais les projets de loi. Est-ce que vous vous imaginez ce que cela impliquerait de lire chaque projet de loi qui est voté ? Ça aurait l'avantage de ralentir le processus législatif. Je n'en revenais pas. Quasiment aucun membre du Congrès n'avait lu le Patriot Act avant de le voter. J'ai donc décidé de faire acte de patriotisme en lisant la loi aux membres du Congrès. Puisque les membres du Congrès, je suis Michael Moore. Je voudrais vous lire le Patriot Act. La section 1, paragraphe 210 de cette loi stipule, je cite... My job is to secure the homeland. That's exactly what we're going to do. But I'm here to take somebody's order. That would be you, Stress. What would you like? Right behind you. I'm going to order some ribs. On n'assure pas la sécurité de la patrie le ventre vide. Et pour être sûr d'être en sécurité, on doit tous faire des sacrifices. Surtout le petit Patrick Hambleton. Je suis sûr qu'on a tous des histoires horribles à raconter sur la sécurité dans les aéroports. Mais voici ma préférée. La menace terroriste que constituait le lait de sa maman.
J'ai pensé qu'il suffisait que j'en avale un peu pour montrer que je le goûtais. J'ai senti que ça ne suffisait pas. Elle m'a demandé d'en boire davantage. J'en ai bu encore et encore, jusqu'à la moitié du biberon. Et là, j'ai dû le jeter, parce qu'il avait touché mes lèvres. Pour la sécurité de la patrie, on interdisait le lait maternel dans les avions. Et on s'assurait qu'aucun passager n'aurait les moyens d'allumer une bombe à bord de l'appareil. Après Richard Reed, l'homme qui avait une bombe dans sa chaussure et qui aurait pu, d'après le FBI, faire sauter l'avion s'il avait eu un briquet dans sa poche, pourquoi les agents de sécurité autorisent 4 pochettes d'allumettes et 2 briquets à bord d'un avion? J'imagine qu'ils ont subi des pressions du genre « À l'arrivée, certains passagers sont pressés d'allumer leurs cigarettes. Laissez-leur un briquet. » Bon, je récapitule. Les vieux sportifs, pas bon. Les pacifistes à Fresno, pas bon. Le lait maternel, pas bon du tout. Mais les allumettes et les briquets en cabine, aucun problème. Mais s'agissait-il vraiment de notre sécurité? Ou était-ce autre chose? Ici, l'océan Pacifique s'échoue sur les côtes de l'Oregon. Plus de 150 km de frontière le long d'un littoral magnifique. Et grâce aux réductions budgétaires, combien de fonctionnaires d'État la protègent? Un seul. À temps partiel. Il s'appelle Brooks. Il m'arrive de parcourir cette portion d'autoroute une à deux fois par semaine pendant mon service. Et j'ai à peine le temps de jeter un coup d'œil en passant. Ici, on peut faire ce qu'on veut. Tout peut arriver. Je veux même pas y penser tellement ça me rend malade. Au bureau de la police d'État, à cause des réductions budgétaires, Kenyon doit venir travailler, faire de la paperasse pendant son jour de congé. La plupart du temps, si vous venez ici l'été, voilà ce que vous voyez. Un papier vous dit que le bureau est fermé. En gros, on vous explique qu'à cause des restrictions budgétaires, nos bureaux sont fermés au public. Mais il y a une petite pancarte qui explique que pendant les heures de fermeture, une cabine téléphonique est à votre disposition en cas d'urgence. Le plus marrant, c'est que la cabine en question est pourrie. Elle marche une fois sur deux. La moitié du temps, quand on décroche, on n'a que de la friture sur la ligne. Mardi, il n'y aura pas de patrouille en service. Mercredi, pas de patrouille en service. Jeudi, pas de patrouille en service. Les gens nous appellent sans arrêt pour nous signaler tout le temps des véhicules suspects ou des individus suspects. Je donne même plus suite, j'ai pas le temps. Un soir, j'ai demandé, on a combien de gars en service dans l'état d'Oregon ce soir? Il y avait 8 policiers en service, dans tout l'état de l'Oregon. En fait, je crois que l'Oregon, c'est l'exemple qui montre bien que la sécurité de la patrie n'est pas aussi assurée qu'on veut le croire. Je n'ai aucun manuel qui explique comment faire pour capturer un terroriste. Si j'en avais un, je le lirais. Mais j'en ai pas. Évidemment, l'administration Bush n'avait pas de manuel pour expliquer comment éradiquer la menace terroriste, parce que la menace terroriste, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Ils voulaient seulement nous faire suffisamment peur pour qu'on accepte de soutenir leur véritable projet. My fellow citizens. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people,
and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Le 19 mars 2003, George W. Bush et l'armée des États-Unis envahirent la nation souveraine d'Irak. Une nation qui n'avait jamais attaqué les États-Unis. Une nation qui n'avait jamais menacé d'attaquer les États-Unis. Une nation qui n'avait jamais assassiné un seul citoyen américain. We are going to find this, I think, this piece of my neighbor, young girl, age 20, Shams. I think it's the other part of her body. That's all. There is a lot of innocent civilians that were killed, and I think that is because the U.S. Army, you know, we came in and we knew it wasn't going to be easy, and they pretty much at first shot anything that moved. War happens and the fighting starts, you know, it's kind of like we're pumped up, motivated, ready to go. It's the ultimate rush, because you know you're going into the fight to begin with, and then you got a good song playing in the background, and that gets you real fired up. Ready to do the job. You can hook your CD player up to the tank's internal communication Charlie system. Box. So that way when you put your helmet on, you can hear it through the helmet. This is the one we listen to the most. This is the one we try when we kill the enemy. Johnny Pool at the bodies at the floor is just fitting for the job we were doing. We think the roof is on fire because basically it symbolized Baghdad being on fire and at the time, we wanted it to burn to get Saddam and his regime out. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn. This is a whole totally different picture here, being pushed into the city, urban warfare in a tank, you know. Civilians. The civilians, it gets... You don't know who's friendly. Because we're not. Who's the enemy? This was a lot more real and true than just a video game. A lot of people thought it was just me, oh yeah, look through the sight and shoot. No, a lot of this is face to face, and especially riding by after some of the bombs have went off and seeing all the people on the side of the road bloated up and just all the smells around you, I mean, from the people lying dead, rotted, and it's a lot more gruesome than you think. We called in with some artillery and some napalm and things like that. Some innocent women and children got hit. We met them on the road, and they had, I mean, little girls with noses blowing off and like husbands carrying their dead wives and things like that. That was extremely difficult to deal with because you're like, shoot, like, what the hell do we do now? The targeting capabilities and the care that goes into targeting is as impressive as anything anyone could see. Got him. Good. Second one. Hit the other one. The care that goes into it, the humanity that goes into it. حد يضرب المدنيين يعني ايه مدنيين هي كلها هذا بيت عمنا كله مدنيين لك هم عسكريين كله مدنيين يضربون من الله ينتقم منا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل خمس جنازات من جنازات في هذا البيت يا الله يا الله يا الله يا الله الله انتقم منا الله خذ حقنا منا
him. وينك الله وينك الله. Honestly, I think we should just trust our president in every decision that he makes, and we should just support that, you know, and be faithful in what happens. Do you trust this president? Yes, I do. Britney Spears n'était pas la seule. La majorité des Américains aussi avaient confiance dans leur président. Et avait-il tort? Il avait passé une bonne partie de l'année précédente à leur exposer toutes les raisons pour lesquelles on devait envahir l'Irak. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them. He's got them. He's got them. C'est bizarre, parce que ce n'est pas ce que l'équipe de Bush avait dit au début de son mandat. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. We are able to keep arms from him. His military forces have not been rebuilt. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. There was a relationship between Iraq and Al-Qaeda. Saddam, Al-Qaeda, Saddam, Al-Qaeda, Saddam, the Al-Qaeda, Saddam, 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 Al-Qaeda. It is only a matter of time before terrorist states armed with weapons of mass destruction develop the capability to deliver those weapons to U.S. cities. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. The man who hates America. This is a man who cannot stand what we stand for. His willingness to terrorize himself. He hates the fact, like Al-Qaeda does, that we love freedom. After all, this is the guy that tried to kill my dad at one time. Ils ont simplement réussi à faire croire aux gens qu'il y avait une réelle menace alors qu'il n'y en avait pas. You get told things every day that don't happen. It doesn't seem to bother people. Bien sûr, les démocrates étaient là pour mettre un terme à tous ces mensonges. I will vote to give the president the authority he needs. The United States is prepared to lead a coalition of the willing. That will do it. When I say we will lead a coalition of the willing to disarm him if he chooses not to disarm, I mean it. Who's in that coalition of the willing now? You will find out who's in the coalition of the willing. The coalition of the willing. Roll call. The Republic of Palau. The Republic of Costa Rica. Bien sûr, aucun de ces pays ne possède d'armée, ni aucune arme. Alors il semblait qu'on allait devoir se débrouiller tout seul pour envahir l'Irak. Mais il y avait aussi... Romania, the kingdom of Morocco. Le Maroc n'était pas un membre officiel de la coalition. Mais selon un article, il avait offert d'envoyer 2000 singes, des babouins, pour faire sauter les mines. These are men of vision. The Netherlands. And I'm proud to call them allies. Afghanistan. L'Afghanistan. Ah oui, eux avaient une armée. La nôtre. C'est une façon comme une autre de former une coalition. Il suffit d'envahir les pays. Oui, flanqués de notre puissante coalition, nous étions prêts. One could almost say it's the mother of all coalitions. Fort heureusement, dans notre pays, il existe des médias indépendants qui allaient nous dire la vérité. The rallying around the president, around the flag, and around the troops clearly has begun. And we're gonna win! You really have to be with the troops to understand that kind of adrenaline rush that they get. I just want you to know, I think Navy SEALs rock. The pictures you're seeing are absolutely phenomenal. When my country is at war, I want my country to win. Iraqi opposition has faded in the face of American power. What you're watching here is truly historic television and journalism. It was absolutely electrifying. They actually had to strap me in with my camera at the back of the plane. An awesome synchronized killing machine. There is an inherent bias in the coverage of the American press in general. Am I slanted and biased? You damn well bet I am. Yeah! Mais il y avait un sujet que les médias ne couvraient pas. C'était l'histoire de chaque soldat tué au combat. Le gouvernement interdisait aux caméras de filmer le rapatriement des cercueils. C'est le genre de sujet qui plombe un peu l'atmosphère, surtout quand on est invité à bord d'un navire pour faire la fête. Look at what's happened to me. I can't believe...
Americans. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. The number of troops killed by hostile fire. 244 U.S. 384 U.S. troops have lost their lives. Killed 484. Died in the line of duty 500. 631 American troops. More than 825 troops have been killed in Iraq. Largest number of American military deaths since Vietnam. There are some who feel like that if they attack us, that we may decide to leave prematurely. They don't understand what they're talking about if that's the case. Let me finish. There are some who feel like that, you know, the conditions are such that they can attack us there. My answer is bring them on. The United States is planning on just walking through here like it was going to be easy and all, but it's not that easy to conquer a country, is it? The renewed battle for control of Iraq raged for a fourth day today, with street clashes in nearly every corner of the country. Iraq could become, quote, another Vietnam. Officials say they see evidence that Sunni and Shiite extremists might be joining forces. They're not happy they're occupied. I wouldn't be happy if I were occupied either. Everybody, here we go. Two Japanese aid workers and a journalist kidnapped by men calling themselves the Mujahideen Squadrons. They threatened to burn the hostages alive if Japan does not withdraw its troops from Iraq within 3 days. What's happened? Oh, they attacked our convoy. What is it? Hamel. Thomas. The Pentagon might keep up to 24,000 troops in combat beyond their tour. I know our numbers in the military have gone down. You know, they talk about retention. You know, never really expected to be deployed this long. I don't think anybody did. I don't have any clue as to why we're still in Iraq. If Donald Rumsfeld was here, I'd ask him for his resignation. Avec la guerre qui ne se déroulait pas comme prévu et une armée qui manquait de soldats, où allait-il trouver des recrues? Military experts say three times the 120,000 U.S. troops now deployed would be needed to pacify and rebuild the country. Ils allaient les trouver partout en Amérique, dans les villes qui avaient été économiquement sinistrées. Des villes où, pour trouver un emploi, il fallait s'engager dans l'armée. Des villes comme ma ville natale, Flint, dans le Michigan. Un jour, ils ont montré à la télé des immeubles qui avaient été complètement détruits par des bombardements. Et en voyant ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on se croirait à Flint, sauf qu'ici, on n'a jamais eu de guerre. Regardez le quartier où j'habite. La plupart des maisons sont abandonnées. C'est pas normal, ça. Et on parle de terrorisme. Venez ici, Monsieur Bush. Il sait ce qui se passe ici. Je lui ai envoyé un mail. Fin janvier 2004, le taux de chômage à Flint était de 17%. Mais il faut tenir compte du fait que les chômeurs en fin de droit cessent d'être comptés. Je dirais alors qu'on est plus près des 50% des gens sans travail ou sans emploi. Parce que être sans emploi, c'est tout aussi dangereux. Dans ma famille, on a dû avoir recours à l'aide sociale. Dans les années 80, j'ai suivi ici une formation professionnelle. J'ai fait une école de secrétariat. Des années plus tard, je suis devenue l'assistante du directeur de l'agence. Intéressant, non? Ma mère me disait toujours, pourquoi tu t'occupes tout le temps des démunis? C'est parce que les démunis avaient besoin de moi. Les gens qui n'ont rien,
C'est pour eux que je dois me battre et ça a été mon combat toute ma vie. J'ai commencé par dire à mes enfants, l'armée, c'est la meilleure solution. Je n'ai pas les moyens de vous payer des études. Vous n'aurez pas le droit à une bourse, alors mon rôle de mère, c'était de démontrer à mes enfants tout ce que l'armée pouvait faire pour eux. Ils allaient voir le monde, ils verraient les choses que je ne pourrais pas leur offrir. L'armée allait payer les études que ni leur mère ni leur père pouvaient leur payer. L'armée est donc la solution pour les jeunes de Flint. L'armée est une excellente solution pour les jeunes de Flint. Qui parmi vous a un ami ou de la famille dans l'armée? Des soldats qui servent à l'étranger? Un de mes frères. Moi, c'est mon cousin. Il est où, ton frère? En Irak. En Allemagne. Mon cousin, on l'a envoyé en Irak, il y a 3 jours. Il y a un recruteur de l'armée de terre, ou de la marine, ou des marines, qui passe ici toutes les semaines. Il vient à la cantine recruter des lycéens. À la cantine. There are people with a calling. Most serve one weekend a month and 2 weeks a year. Earning money for college. Protecting their community. In the Army National Guard. Je vais m'engager dans l'armée de l'air. Après le lycée, je vais prendre une année sabbatique. Et après, je vais faire carrière comme technicien de maintenance sur les avions. J'ai été abordé par un recruteur. Pendant qu'il me parlait, j'ai remarqué un truc bizarre. C'est comme s'il me recrutait pour un boulot normal, pas pour aller servir dans l'armée. C'était la façon qu'il a eu de m'aborder, moi et mon pote. J'étais dans un magasin de disques et il est venu comme ça. Il nous a donné sa carte de visite, mais de l'armée. Le sergent Dale Cortman et le sergent Raymond Plouard appartiennent au corps des Marines. Ce sont deux des nombreux recruteurs affectés à la ville de Flint. Ils sont débordés ces jours-ci. Regarde, il se sauve, il nous a repérés. Ouais. Allez, celui-là, regarde. La graine de gangster. Oui. On va aller au centre commercial de Cortland. Ils préfèrent ne pas aller à Genesee Valley, car c'est une banlieue aisée. C'est plus dur de recruter des jeunes là-bas. Ils préfèrent aller à l'autre centre commercial. On va entrer par le magasin Mervyn. Et après, on descendra tout droit. Hey, messieurs, c'est vous qu'on cherchait. Vous n'avez jamais pensé à l'armée? Ouais, j'aimerais faire la fac et jouer au basket. Et t'as un bon niveau? Ouais, surtout au basket. Tu sais, tu pourrais jouer pour les Marines, faire le tour du monde pour l'équipe du corps des Marines. David Robinson a fait l'armée, tu le savais, ça? Ah ouais? Et tu peux faire pareil que lui. Il y en a qui veulent bien s'engager, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et tu travailles où? Au KFC. Tu peux nous faire des remises? Ouais. Ils n'attendent que ça. Je voulais faire carrière dans la musique. Les Marines peuvent t'arranger ça, tu sais. Tu connais Shaggy? Tu connais son parcours? Ouais, le mec qui a l'accent jamaïcain. Ouais, c'est ça. C'est un ancien marine. Ah, tu savais pas. Un musicien doit être avant tout discipliné. Ouais, je sais. Il doit savoir gérer son argent. Surtout si tu gagnes des millions. Passe nous voir au bureau, on parlera. On t'expliquera tout ça. C'est bon pour toi? Tu fais quoi cet après-midi? Ou bien demain? Lundi matin, 10h, ça te va? Ouais, ça me va. On va se te prendre? C'est mieux quand ils sont en groupe. Pour l'émulation. Mesdemoiselles, l'armée vous intéresse? Tiens, la casquette verte là-bas derrière nous. Il est jeune? Ouais. Tiens, il y en a deux par là. Ouais. Près de la voiture rouge. On les prend en tenaille? T'es en troisième? T'as l'air vieux pour un élève de troisième. Tiens, voici une carte. Vous avez pensé à vous engager? Ah ouais, mais je suis père de famille maintenant. Raison de plus pour s'engager. J'ai une question ou deux à te poser. Comme ça, je peux te rayer de ma liste parce que t'es pas intéressé. Ça te va? Bon, ton nom, ton téléphone, ton adresse. Et un de plus sur la liste. On aimerait tous ici avoir la possibilité d'aller à la fac. Comme beaucoup de jeunes, sans être obligés de risquer notre vie, de mourir, il faut dire ça carrément. The holidays do add a little bit more friction as opposed to just another night in the fact that we want to give our guys a little bit time off, a little bit time to relax. However, we are in a combat zone. My soldiers do recognize that fact.
Everybody's a little bit nervous about it, I guess. We're professionals. We're going to take care of you. I promise. Every house here has the right to have weapons. Maximum, excuse me, one AK-47. We always expect the targets to be armed. Rock and roll! Bolt cutters, these goddamn things, pry doors open, pop this in there. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. Hey, Adele, just hold up. There's something there. No, 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 no. Where's she going? I'll go with her. Where's she going? She's gonna call him. No, 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 just where is she? Where is he at right now? I need to, not on the phone. Not on the phone. Is he in the house? Is he in the house? Ram! Passarelli! Is he in the house? Passarelli! He is. He is in the house. Where? This is him? Get up there. Second floor. Second floor. Watch out. Watch out. Watch out. Go, go, go. Watch out, Adele. Watch out. Watch out. Hey, one's coming up. That's Sahib Alduri. Sahib Alduri. What's your name? Sahib. Sahib. This is Sahib. Yeah. This is Sahib. This is Sahib. Yeah. Shimso is Sahib. Allah Shimso. Shimso طالب طالب مجامي الله بوسي. Okay, tell them, tell them, yeah. Tell them right. To calm down. You guys, went up to the roof. Wait, one. We will not be long. We appreciate your conversation. This is the target. So he about to bring him out. Right, we have to, as you go back to the old saying, we win the hearts and minds of the people. That's our job. We have to bring the ideal of democracy and freedom to the country. And show them that the American people are not here to rule Iraq. I start doing evidence turn-in. That process takes about 3 hours, so that's going to be it for the night, and that concludes Christmas Eve. Merry Christmas, BRT. Merry Christmas. Santa came to Iraq just for you guys. Trying to keep the skies clear for you, Santa. Vous êtes fière d'être américaine? Je suis extrêmement fière d'être américaine, probablement plus que la moyenne des Américains. Quand je sors mon drapeau, je ne supporterai pas qu'il touche le sol. Parce que je sais que des gens ont donné leur vie, ont versé leur sang pour que je puisse le sortir aujourd'hui. Tous les jours que Dieu fait. J'ai commencé quand ma fille a fait la guerre du Golfe. J'avais accroché un drapeau et des rubans jaunes qui flottaient devant ma maison. Je priais chaque jour pour que ma fille me revienne saine et sauve, elle et tous les enfants qui étaient là-bas. Elle est revenue? Elle est revenue. Vous avez d'autres parents qui ont fait l'armée? Oui, des oncles, des tantes, des cousins, des frères, mon père. Une famille de militaires? Tous des militaires. Je considère ma famille comme l'épine dorsale de l'Amérique. C'est grâce à des familles comme la mienne, des centaines, des millions de familles comme la mienne, que notre pays a pu se construire. Je suis une démocrate conservatrice. Oui. Vous vous voyez comme ça? Oui. Oui, c'est un pays formidable. C'est un pays formidable. Je porte une croix multiculturelle et multicolore parce que je crois que les enfants de Dieu sont de toutes les couleurs. Et ma famille est multiculturelle. Une de vos filles est dans l'armée? Dans l'armée, oui. Et votre fils aîné, lui aussi, est dans l'armée? Oui. C'est un sacré don que vous faites au pays. Tout à fait. Vous et votre famille. Tout à fait. Avoir un fils dans l'armée, il a de quoi être fier. Vous voulez que je vous dise? Il a réussi. Quelle a été votre réaction lors des manifestations à l'encontre de la guerre du Golfe ou du Vietnam? J'ai toujours détesté les manifestants. Je les ai toujours détestés. C'était comme si je recevais une gifle. Comme si
Ils avaient déshonoré mon fils. Et je brûlais d'envie de leur dire, vous ne comprenez pas, ils n'ont pas choisi d'aller là-bas. Et puis j'ai réalisé qu'ils ne s'en prenaient pas aux soldats qui étaient là-bas. Ils protestaient contre le principe même de la guerre. I know I'm a soldier and I'm here to do a job and I've been a soldier for a while. Once you have to go and do your job and you see the things that you see, I was saying there's some disillusionment in that. Lieutenant Commander fully expects us to be attacked in some type of way before we get to Farkshall. I know that so far it's been pretty calm, not much has happened, but be aware that it can and it probably will. They're beginning to organize themselves just in neighborhoods. The kids get together a lot. Well, I can't say kids, but the guys about 17, 18 are starting to come together. And they hate us, just why I'm not really sure. L'immoralité engendre l'immoralité. Quand un président commet l'acte immoral d'envoyer des jeunes faire une guerre qui repose sur un mensonge, voilà le résultat. To have these people shoot at us, kill us, blow us up, whatever means they can, and I don't understand it. We're trying to help these people, and it seems they don't want our help. Get out of here. But the minute something goes wrong with them, oh, why weren't you here? Why didn't you do this? You know, it's, I hate this country. You know, I feel that a part of your soul is destroyed in taking another life. And yeah, that statement is very true. You cannot kill someone without killing a part of yourself. Vous retourneriez en Irak? Non. Non. À quelles sanctions vous exposeriez-vous? À la prison. C'est une possibilité. Et vous prenez ce risque? Oui. Je refuse de me laisser. Non, je ne laisserai personne me renvoyer là-bas pour tuer des pauvres gens. Surtout quand ils ne représentent aucune menace pour moi et pour mon pays. Non, je ne le ferai pas. This is an impressive crowd, the haves and the have-mores. Some people call you the elite. I call you my base. Tandis que Bush était occupé à dorloter sa base et à déclarer son amour aux troupes, il proposa de réduire la paye des soldats de 33% et l'aide à leurs familles de 60%. Il refusa d'attribuer $1 milliard supplémentaires de prestations maladie pour les vétérans et leur fit fermer plusieurs hôpitaux. Il essaya de doubler le prix de leurs médicaments et s'opposa au versement des allocations aux réservistes. Et quand le sergent Brett Petriken, originaire de Flint, fut tué en Irak le 26 mai, l'armée envoya sa dernière paye à sa famille en ayant pris soin de déduire les 5 derniers jours du mois où il n'avait pas travaillé, parce qu'il était mort. Ils disent qu'ils ne laisseront pas tomber les vétérans, mais en fait, ils les ont bien laissés tomber. To say that we're forgotten, no, but I know we're not forgotten, but missed, yes. Yes, you know, there's a lot of soldiers that have been missed. You know, they've been skipped over. That didn't get the proper coverage that they deserve. They had a death toll, but they're not showing the amount of people that's being injured or being amputated because of the injuries, you know. Like, I still feel like I have hands. Yeah. And the pain is like my hands are being crushed in a vice. But they do a lot to help it, and they take a lot of the edge off of it, and it makes it a lot more tolerable. And I was injured in late April on patrol in Baghdad. A couple of guys come out and ambushed us. I got nerve damage and stuff like that. I've got a lot of pain. I'm constantly in pain. Take a lot of morphine.
to help with that stuff. Just readjusting, getting life back on track. You know what I'm saying? I'm not gonna do what it is that I did before. I was a Republican for quite a few years, and for some reason they conduct business in a very dishonest way. I'm gonna be incredibly active in the Democratic Party down where I live once I get out. So I'm gonna definitely do my best to ensure that the Democrats win control. Iraq, Baghdad, I didn't know. L'Irak, Bagdad, je ne connaissais rien de tout ça. And we were in the hallway. On était dans le couloir, au premier étage de notre maison. Il était en larmes, il disait qu'il avait peur et qu'il ne voulait pas aller en Irak. Alors je lui ai dit que parfois c'était bien d'avoir peur, pour garder les pieds sur terre. C'est là qu'il m'a dit qu'il ne l'avait dit à personne, mais il savait qu'il partait à Bagdad. Comme tout le monde, on était scotché devant la télé, dans l'espoir de l'apercevoir. S'il vous plaît, montrez-nous les hélicoptères, on veut voir notre fils. Et puis un soir, vers 10 heures, je suis montée dans ma chambre, j'étais allongée sur mon lit en train de zapper avec ma télécommande et j'ai juste entendu Black Hawk abattu dans le sud de l'Irak. We are being told by officers on the ground that there were 6 occupants inside the Black Hawk. Le lendemain matin, je me suis dit, chasse ces idées noires de ton esprit. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi à surmonter ça. L'armée a téléphoné. Je me souviens d'avoir décroché et un homme m'a demandé si j'étais Lila Lipscomb. Et j'ai dit oui. Puis il a dit, êtes-vous la mère du sergent Michael Pedersen? Et j'ai lâché le téléphone. Et la seule chose dont je me souviens, c'est, Madame, l'armée des États-Unis et le secrétaire à la Défense ont le regret de vous informer. C'est tout ce que je sais. J'ai ressenti une douleur si forte que je me suis effondrée. J'étais seule, personne n'était là pour me relever. J'ai rampé jusqu'à mon bureau, je m'y suis cramponnée et j'ai hurlé. Pourquoi Michael? Pourquoi tu m'as pris mon fils? Il n'avait rien fait de mal. C'était un brave petit, un brave petit. I can't imagine what it would be like to lose a son or a daughter or a husband. And our wife, for that matter, and it pains me. You had his last letter? Vous avez sa dernière lettre? Oui, il l'a postée le 16 mars. Mais je ne l'ai reçue qu'une semaine avant sa mort. Hello. Hey, Mama. Well, sorry, I haven't Bonjour, been maman. Able to call. They took the Désolée, je n'ai pas pu appeler. On n'a plus le téléphone depuis 7 jours. J'ai bien reçu ta lettre et le colis. C'est super, ton premier petit-fils est né. Le même jour que ton premier garçon. Tout le monde va bien? Moi, ça va. Ici, on est en pleine tempête de sable à attendre. Qu'est-ce qui lui a pris à George de vouloir faire comme son papa Bush? Il nous a fait venir ici pour rien. Je suis carrément furieux, maman. J'espère que ce crétin ne sera pas réélu. J'ai bon moral et je vais bien. Vous me manquez beaucoup. Merci pour la Bible. Les livres. Et les bonbons. J'espère recevoir bientôt de vos nouvelles. Embrasse toute la famille et dis-leur que je vais bien. Ici, on n'attend rien de nouveau avant un moment. J'ai hâte de rentrer et de reprendre ma vie. Félicite Spoutnik pour moi. Et je verrai bientôt mon premier neveu dès mon retour aux États-Unis. J'espère que vous allez tous bien. Continuez à m'écrire. Le temps paraît moins long. Maintenant, je vais me coucher. Je vous écrirai bientôt. Je vous aime. All of you guys.
et je pense à vous. Je voudrais qu'il soit vivant. Mais je ne peux pas le ramener à la vie. Je souffre dans ma chair. Je veux mon enfant, c'est pas logique. Une mère n'est pas censée enterrer son enfant. Je suis triste pour ma famille parce que nous avons perdu un fils. Mais je compatis aussi avec les autres familles qui perdent leurs enfants en ce moment même. Et tout ça pourquoi? C'est ça qui m'écœure. Tout ça pourquoi? You've heard a lot about Halliburton lately. Criticism is okay. We can take it. Criticism is not failure. Our employees are doing a great job. We're feeding the soldiers. We're rebuilding Iraq. Will things go wrong? Sure they will. It's a war zone. We're serving the troops because of what we know, not who we know. Well, let me tell you about Halliburton, the company I ran. I'm very proud of what I did at Halliburton. The people of Halliburton are very proud of what they've accomplished. And I, frankly, don't feel any need to apologize for the way I've spent my time over the last 5 years as the CEO and chairman of a major American corporation. Yeah, this is also an attempt to divert attention away from the fact they have no energy policy. And as the Secretary of Energy said, we were caught unawares. En pleine guerre, Microsoft, DHL et d'autres entreprises invitèrent Halliburton à un congrès pour faire le compte de l'argent qu'il y avait à gagner en Irak. Having worked this effort even since before the invasion, the liberation of Iraq started. You, industry, are definitely a vital part of that effort. We appreciate your interest in this. We need you. Now, lots of you are small businesses and you're struggling. How do we get a piece of this big action? All of you, the big guys, are going to get it, and the rest of us who have subcontracting capability or no, none at all. USTDA is for you. Once that oil starts flowing and money coming, it's going to be lots of money. It's the second largest reserve of oil in the world. There's no question about how much money is that. I've been getting complaints from Iraqi firms and from American firms that the lack of transparency, the corruption. I think the profits that American companies are making, that the main companies, are so overwhelming. I mean, like when you have a line item for $1 million and you subcontract it out for $50,000 or $60,000 or $70,000, that's a huge profit, and it's the American taxpayer that's going to pay for that. And it's going to get better. Start building relationships, because it's going to get much better as the oil flows and their budget increase. And the good news is, whatever it costs, the government will pay you. War is always good for certain companies, I mean, that are in the war, the business of war. We're very proud of the work we're doing, again, in supporting the U.S. government and the U.S. military. And the real heroes of the campaign, the real heroes of the reconstruction, are the men and women of the U.S. armed forces. And we're very proud to be any part of that we can in supporting them. Halliburton delivers hot meals, supplies, clean clothing, and communications to our soldiers so they can be a little closer to home. It's a girl! Halliburton, proud to serve our troops. I just read in the paper Halliburton got another contract. J'ai lu dans le journal que Halliburton avait encore décroché un contrat. Et il n'y a personne qui le conteste. Parce que personne n'est au courant. Si c'est dans le journal, quelqu'un est au courant. Oui, mais on le sait après coup. C'est trop tard. The United States is now a major player in the Iraqi oil business. American troops guard the oil fields as Texas oil workers assess their potential. So it's a safe environment to work in. We don't feel any risk. We feel like we're being well protected here, or we wouldn't be here. It's no secret. I mean, I make anywhere, I don't know, between $2,000 and $3,000 a month. A Halliburton employee out here driving a bus can make all between $8,000 and $10,000 a month. Explain that one to me. For 40 hours a week, driving the same 2.5 mile route. Go figure. Where's the justification in that? There's no other single area of the world today with the opportunity for business, new business, similar to the opportunity that's available today in Iraq. The president went in and did what he did, and
we're all supporting him and our troops, and we want to make sure that, you know, the efforts and the lost lives, and it wasn't for no reason. If it wasn't for the oil, then nobody would be there. Yeah. Nobody would worry about it. Unfortunately, at least for the near term, we think it's going to be a good situation, or a dangerous situation. Good for business, bad for the people. Today on the news, Rumsfeld was saying, and Wolf. Au journal, Rumsfeld a dit, et Wolfowitz a dit aussi, les Irakiens ont largement gagné au change. C'est pas mieux maintenant qu'on soit débarrassé de Saddam et que les Irakiens puissent faire ce qu'ils veulent et soient libres, non? Seront-ils libres un jour? Non, ils ne seront jamais libres. Et où sont passées les armes de destruction massive? On s'est fait berner. Et ces pauvres gens, les hommes et les femmes qui se font tuer là-bas, c'est inutile. C'est une honte. Ça suffit. C'est une honte. Lila m'avait prévenu qu'elle allait à Washington pour assister à un congrès pour son boulot. Pendant sa pause, elle pensait se rendre à la Maison Blanche. Bouges-tu des enfants irakiens? Mon fils a été tué. Il a tué des gens en Espagne. Il ment, il tue des gens, il tue vos enfants aussi. Oui, mon fils. Il tue tous ces jeunes Américains. Pourquoi? Bush, c'est un terroriste. Non, c'est faux, c'est faux. Tout ça, c'est du bidon. Mon fils, ne me dites pas que mon fils, c'est du bidon. Où a-t-il été tué? Il a été tué à Karbala. Le 2 avril. Ça, c'est pas du bidon. Mon fils est mort. Il n'est pas le seul. Vous n'avez qu'à vous en prendre à Al-Qaïda. Qu'est-ce que vous a dit cette femme? Que je n'ai qu'à m'en prendre à Al-Qaïda. Ce n'est pas Al-Qaïda qui a décidé mon fils à aller en Irak. Des ignorants. On a affaire à des ignorants. Ils ne savent rien. Les gens croient savoir, mais on ne sait rien. Je croyais savoir, mais je ne savais pas. J'ai besoin de mon fils. God's tougher than I thought it was gonna be to be here. Mon Dieu, c'est plus dur que je l'avais imaginé. But it's freeing also. Mais ça me libère. Because I finally have a place to put all my pain and all my anger and to release it. J'ai enfin un endroit où déverser ma douleur, ma colère et où je peux me décharger. J'en avais assez de voir souffrir des gens comme Lila Lipscomb. Surtout quand on sait que sur les 535 membres du Congrès, un seul avait un fils engagé en Irak. Je demandais au caporal Anderson du corps des Marines de m'accompagner à Capitol Hill pour voir combien de membres du Congrès accepteraient d'envoyer leurs enfants en Irak. Monsieur le député, je suis Michael Moore. Michael, comment allez-vous? Bien, bien. Je suis John Tanner, du Tennessee. Enchanté. Voici le caporal Anderson du corps des Marines. Caporal, j'ai servi dans la marine il y a plusieurs années. De 1968 à 1972, on avait des marines qui gardaient notre base. Vous avez des enfants? Oui. Vous croyez qu'ils accepteraient de s'engager dans l'armée pour aller nous aider à combattre en Irak? J'ai toutes les brochures, là. J'en ai un qui est père de 2 enfants. Il n'y en a pas beaucoup de membres du Congrès qui ont leurs enfants là-bas. En fait, il n'y en a qu'un. Oui, je sais. Alors on se disait comme ça, vous auriez dû les envoyer en premier. Vous pensez pas que c'est une bonne idée? Vous n'avez pas tort. Vous trouvez? Ah oui, bon, bah, prenez quelques brochures. D'accord. Distribuez-en autour de vous. Il faudra encourager vos collègues qui sont pour la guerre à envoyer leurs enfants. Merci, Mike. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le député, je suis Michael Moore. Comment allez-vous? Bien, bien. Je voudrais que les membres du Congrès disent à leurs enfants de s'engager dans l'armée pour qu'ils aillent combattre en Irak.
Monsieur le député, monsieur le député, monsieur Castle, monsieur Castle, monsieur le député, monsieur le député, monsieur Doolittle, Michael Moore. Je me demandais si, s'il était envisageable. Bien sûr, pas un seul membre du Congrès ne voulait sacrifier ses enfants et les envoyer se battre en Irak. Comment leur en vouloir? Qui voudrait faire don de son enfant? Vous? Lui? Je suis toujours étonné de constater que ceux qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés, qui fréquentent les pires établissements scolaires et qui mènent l'existence la plus misérable, soient toujours les premiers à défendre le système qui les écrase. Ils combattent pour nous éviter de le faire. Ils sont prêts à donner leur vie pour que nous soyons libres. C'est un cadeau extraordinaire qu'ils nous font. Et tout ce qu'ils demandent en échange, c'est qu'on ne les expose au danger qu'en cas d'absolue nécessité. Nous ferons-ils à nouveau confiance? He had used weapons. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east, west, south and north. There is a tie between Iraq and what happened on 9/11. The struggle can only end with their complete and permanent destruction. We wage a war to save civilization itself. We did not seek it, but we will fight it, and we will prevail. George Orwell a écrit, « Il ne s'agit pas de savoir si la guerre est réelle ou non. La victoire n'est pas possible. Il ne s'agit pas de gagner la guerre, mais de la prolonger indéfiniment. » Une société hiérarchisée n'est possible que si elle repose sur la pauvreté et sur l'ignorance. Leur version devient une vérité historique, et rien d'autre ne peut avoir existé. Par principe, le but de la guerre est de maintenir la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'élite contre ses propres sujets. Son objectif n'est pas de vaincre en Eurasie ou en Asie, mais de garder la structure sociale intact. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. If fool me, we can't get fooled again. Pour une fois, on était d'accord.